Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec theturf.fr. Alors, ce mercredi 25 janvier 2023, direction l'Hippodrome de Pau, hein, en compagnie des sauteurs. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un petit quinté réservé aux sauteurs et ce sera sur les haies. Ce sera le prix René Cramail, comme vous allez le voir. Une course de haie euh, longue de 3800 mètres, c'est un handicap divisé hein, bien entendu, une première épreuve euh, pour des chevaux donc de 5 ans et plus, 16 concurrents départ, 3800 mètres à parcourir, 105 000 euros de dotation, c'est vraiment un très beau euh, gros handicap, ce sera la deuxième course en Réunion 1 prévue euh, bien entendu à 13h50. On va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 14, Saint-Anjou. J'ai pas inventé grand chose. C'est vrai que c'est un hongre de 11 ans, mais il a quand même de beaux restes. Il vient de le prouver dernièrement dans la course référence du 2 janvier. C'était sur ce parcours. Il a été battu par Capodimonte. C'est un super cheval. Je crois que d'ailleurs, il s'est imposé depuis un hein, Capodimonte. Donc, euh, la ligne est bonne. Il était proposé à 18 contre 1. Donc, on l'attendait pas forcément euh, aussi haut au niveau de son classement. Maintenant, euh, le cheval est en forme. Une nouvelle fois, euh, Johnny Charon. Voilà, euh, sur la foi de sa dernière tentative, non seulement il a l'aptitude au parcours, mais non seulement il est euh, capable aussi de, de faire avec le poids qui est le sien. En bas de tableau, je trouve vraiment <coughs> qu'il a vraiment une très très belle carte à jouer. Et avant le coup, c'est l'une un, des priorités, un des concurrents qui est capable euh, de s'imposer à ce niveau-là. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 3, Baladin de Mesca. Alors, lui, c'est vraiment un cheval que j'aime beaucoup. Euh, C'est un cheval vous le voyez qui a couru très peu hein, l'an passé. Il est revenu en piste euh, en, jeu, en septembre euh, 2022. Et depuis il n'a jamais déçu. Hein. Vous le voyez 3ème, 2ème, 1er, 1er et 2ème. Euh, dernièrement je crois que c'était sur l'hippodrome euh, de Pau. Hein. Il terminait euh, sur une distance. Ouais voilà, c'était ça, le prix euh, compte de euh, saint cric euh, C'était une distance qui était un peu plus courte. Hein. Il me semble que c'était 3500 mètres. Ça reste à vérifier en tout cas. Euh, le cheval courait très très bien. Et puis euh, j'ai regardé au niveau des handicaps. Euh, il n'a couru qu'une seule fois handicap. c'était il y a un peu moins d'un an et demi et il terminait deuxième en valeur 65. Là, il est pris en 61. Euh, ça veut dire il a 4 kilos en moins que lors de sa précédente sortie. Bon, c'était il y a un moment, mais ça veut dire vraiment qu'au niveau théorique, euh, sa valeur elle est plus qu'avantageuse et en théorie, il a une très très belle carte à jouer, une première chance à défendre. Donc voilà, le cheval est en forme, il est pris à un poids qui semble vraiment avantageux. Donc pour moi, euh, avant le coup sur le papier, il n'y a rien à lui reprocher. On est obligé de lui faire une grande grande confiance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5-1, hein, Lyon Clermont. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il a vraiment été préparé pour cette compétition. D'ailleurs, l'an passé, il a terminé troisième de cette épreuve. Donc euh, voilà, c'est déjà un signe que le cheval est en forme saisonnière et il apprécie ce parcours. Euh, dernièrement, c'était vraiment pas mal. Hein. Il terminait terminé quatrième euh, sur l'hippodrome euh, de euh, l'hippodrome de de comment dire de, de peau hein, tout simplement euh, C'était pas une course référence puisque euh, il n'était pas avec d'autres concurrents, vous le voyez il a terminé 7 auparavant euh, Il était proposé à 7,40€ le 20 décembre Mais vraiment dernièrement c'était pas si mal que ça On sent que le cheval est sur la montante euh, qu'il a été comme je l'ai dit préparé pour cette compétition avec James Rebley On le munit de hier également euh, Normal cette fois-ci Je trouve que ça sent bon Je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer Et à mon avis il devrait pas taper loin En tout cas moi je le vois sur le podium Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8 Chichi de la Vega. Rien à lui reprocher lui aussi on le connaît bien de cette catégorie. La dernière fois c'était ses débuts sur les l'hippodrome de Pau. Il a fini de cinquième derrière Saint-Anjou. La piste était vraiment pénible. Hein. Il a vraiment fait preuve de courage dans la phase finale, après un parcours côté corde assez favorable au final. Et euh, voilà, là il y a pas mal de concurrents euh, qui ne seront pas sur sa route hein, par rapport à ceux qu'il avait euh, la dernière fois euh, dans la course qu'il a disputée. En tout cas, euh, le cheval il a prouvé à plusieurs reprises qu'il était compétitif à ce niveau là. Euh, voilà, c'est un hongro de 6 ans euh, qui a déjà pas mal d'expérience et qui à mon avis euh, a largement son mot à dire pour une des places. Il est même capable de terminer sur le podium si ça se passe bien. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 12. Lucky One. Uh, lucky One. Euh, qui euh, reste sur une cinquième place très encourageante. Hein. Il a repris de la fraîcheur d'ailleurs euh, depuis cette tentative. C'était en... en novembre. Il était battu, vous le voyez, par euh, Chichi de la Vega. Hein. Il courait vraiment très très bien euh, dans le Prix François de Gannet du côté euh, d'Auteuil, Auparavant, il avait remporté un un, gros... un petit handicap, hein, un gros handicap, un handicap qui lui a donc valu une pénalisation. Mais voilà, derrière, il a prouver qu'il était encore capable de bien faire justement le 27 novembre. On lui a redonné de la fraîcheur, hein. comme j'ai dit, ça peut être important euh, au ce moment de, de la saison d'avoir repris euh, de la fraîcheur. Du coup voilà, je pense que l'un dans l'autre, il a une belle carte à jouer. Euh, C'est vraiment un concurrent qui devrait euh, pouvoir fournir une performance suffisamment euh, bonne pour terminer 4-5ème. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 10 Singapore Trip. Euh, Singapore Trip qui a fini 8ème seulement la dernière fois, c'était sur l'hippodrome de Pau. Hein. C'était un, un handicap, mais juste réservé aux chevaux de 4 ans maintenant. Euh, il a pris 5 ans hein, depuis le 1er janvier. Je pense que la distance sera mieux. Hein. La distance la dernière fois, c'était 3500 mètres, il me semble. Je pense que 3800 m, ça peut être bien pour lui. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. A mon avis, il va mieux respirer sur une distance légèrement plus longue euh, que celle qui était euh, proposée la dernière fois. C'est pour ça que je le retiens. Il a déjà euh, réalisé de belles choses. D'ailleurs, euh, à ce niveau de, de compétition, je ne sais pas si on a une des performances. Bah, je ne suis pas sûr parce que c'est un 4 ans. Donc, euh, non, on n'a pas de, de course référence euh, a priori avec euh, lui pour voir ce qu'il a montré euh, sur l'hippodrome d'Auteuil euh, durant l'automne. Mais en tout cas, euh, c'est un cheval qui en plus s'entend bien avec Enzo Bonnet. Euh, J'ai regardé lors de la, leur dernière association, ils ont terminé deuxième le tandem. Donc, vraiment, euh, à mon avis, il a une belle carte à jouer. C'est vraiment un des outsiders qui est capable de brouiller les cartes. Et ensuite, en septième position, j'ai retenu le set Pique nique. Alors lui, on l'a vu cet hiver sur l'hippodrome de canus sur mer hein, notamment euh, avec deux victoires et une sixième place. Euh, la sixième place était dans un quintet plus. Il courait pas si mal que, que cela. Euh, voilà. Maintenant, euh, c'est un cheval qui vient de gagner un handicap et qui a été euh, lourdement pénalisé suite à ce succès. Mais bon, il a gagné de 10 longueurs en même temps. C'est normal qu'il soit pénalisé de, de 3 kg kilos ou 3 kg et demi suite à ce succès. Je pense que son entraîneur a décidé de l'envoyer du côté de Pau parce que le cheval est resté en tellement belle forme, euh, qu'il se laisse tenter, donc euh, voilà, je pense que s'il se laisse tenter, qu'il fait le déplacement de Cagnes à Pau, parce que le meeting d'obstacles à Cagnes est terminé, euh, je pense vraiment que c'est que le cheval est, comme je l'ai dit, en très grande forme, et qu'il est capable de confirmer malgré le poids supplémentaire, donc voilà, moi j'ai retenu euh, septième parce qu'il monte quand même de catégorie, et pour la victoire, clairement, à mon sens, il est barré, mais il a vraiment le droit de terminer 4-5ème si ça se passe bien. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu Las euh, grande T euh, qui vient de terminer cinquième. Hein. Je crois que c'était d'ailleurs sur ce parcours, euh, je sais pas si on a cette course si euh, grande T qui terminait cinquième. Voilà, c'était ici le 20 décembre. Euh, comme j'ai dit, c'était sur ce parcours. Il courait, il courait bien, hein. euh, ce grand doté maintenant avec 72 kg. Sa tâche n'est pas forcément évidente. Il est pris en 62 de valeur. J'ai vu qu'il a déjà réussi à faire l'arrivée dans des gros handicaps en 63. Euh, donc j'ai envie de vous dire qu'en 62, a fortiori, il est compétitif. Maintenant, 72 kg, c'est toujours euh, compliqué, euh, surtout sur un terrain qui est parfois un peu pénible du côté de Pau. C'est pour ça que je le retiens seulement 8 huitième, mais comme beaucoup, il a le droit de terminer 4-5ème. Et enfin en cas de nos partants, j'ai retenu le 15, à hein, Conti un hein, Riconti euh, qui va débuter à ce niveau de compétition il me semble. Euh, voilà, on l'a surtout vu en steep, mais bon il avait montré quelques moyens en, eh, en début de carrière, notamment je crois qu'il s'est beau s'était imposé en début de carrière euh, dès ses premiers pas, mais il avait terminé cinquième également à Vichy, je crois. Voilà, un cheval qui semble bien placé en bas de tableau, je me dis pourquoi pas, ça peut lui changer les idées d'avoir un parcours de haie, mais en même temps, pour ses débuts, il est pris un poids assez correct, donc voilà, c'est mon regret, il hein, ne faut pas non plus s'enflammer, mais euh, voilà, le manque d'expérience fait que je l'ai retenu seulement 9ème dans ma sélection. On va faire un petit récapitulatif justement de cette sélection, avec le 14 Saint-Anjou que j'ai retenu devant le 3 Baladin de Mesque. le 5 Lyon Clermont, le numéro 8 Chichi de la Vega, le 12 Lucky One, le 10, Singapore Trip. Le 7, Picnic. Et l'as, Grand de T. Et en cas de non partant, le numéro 15, Harry Conti en conseil de jeu. Pour moi, le 14, en joue sur ce qu'il vient de faire. C'est vraiment une très belle base. Il est régulier. Il est compétitif à cette valeur. Et sur ce parcours, avant le coup, il coche toutes les cases de la base intégrale. Ensuite le numéro 3, Baladin de Mesc, qui est irréprochable depuis son retour en compétition. Euh, il est pris à une valeur qui est vraiment avantageuse par rapport à la dernière qu'il avait euh, dans ce genre de compétition. Donc pareil, pour moi c'est une belle base. Et puis le 5, Lyon-Clermont, préparé pour cette compétition, troisième l'an passé, et confié à James Trebley. Rien à reprocher également, 14-3-5. Après voilà, les courses restant ce qu'elles sont, il peut y avoir des surprises, mais c'est vrai qu'avant le coup, 14-3-5 pour moi c'est trois très belles chances théoriques. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheDurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf frcom euh, on va faire un petit point sur le Quintet Plus et le 5 qui s'est disputé euh, du côté euh, de, de Canut sur Mer. C'était euh, au, au galop avec le monstre qui était non par Tom à à la tête. Et une belle arrivée avec river qui s'impose, hein, le 15. Après un bon parcours, le 17 Atik qui court très très bien également pour se classer deuxième. Le 6 Mon Montmirail favori, timide favorite qui réalise une belle passe sortie aussi qui a bien fini. Et puis Forchester qui est venu de loin très bien finir pour arracher la quatrième place. à Alas, cours du Roi associé à Maxime Guillon. Du coup un quintet qui était trouvable. D'ailleurs vous allez le voir, une de nos deux rubriques qui l'indique. Je crois que c'était top Prono Nous allons voir ça. Euh ouais, c'était top prono qui indique le quintet tiercé cartier et quintet, un hein, quintet qui rapporte plus de 250 euros sur sélection uniquement le tiercé. Donc voilà pour de deux rubriques que vous pouvez tester. Hein. C'est euh, l'offre découverte, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est le premier mois, c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition euh, de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires. Chaque mois avec à gagner euh, 6 mois d'abonnement via Puis au site, .com. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera, je crois, du côté de Vincennes ce jeudi. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye!